Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va voir comment se faire un excellent repas facilement et rapidement, grâce notamment à la meilleure source de protéines du monde. Et si jamais vous cherchiez un moyen de manger ou de faire manger des épinards tout en prenant du plaisir, alors cette recette est faite pour vous. Omelette ricotta épinard ou épinard ricotta avec plein d'autres bonnes choses dedans, c'est parti. On va tout d'abord commencer par apprêter 4 à 5 généreuses poignées d'épinards qui correspondent à environ 200 grammes qu'on va incorporer dans notre omelette prévue pour 2 personnes. Des épinards frais qu'il faudra bien entendu soigneusement rincer avant de les égoutter. Et ensuite vous n'aurez qu'une seule chose à faire, les équeuter, c'est-à-dire se débarrasser tout simplement de la tige de vos feuilles d'épinards. Vous pouvez aussi éventuellement découper les plus grosses feuilles en deux. Le mois de décembre annonce l'arrivée des épinards de saison, donc profitez-en pour cuisiner des feuilles fraîches. Si jamais vous êtes hors saison, des épinards surgelés feront très bien l'affaire et seront déjà apprêtés pour la cuisson. Une fois que vous aurez terminé de préparer vos feuilles d'épinards, vous n'aurez qu'à les faire patienter quelques minutes sur le côté, le temps d'éplucher une, deux ou trois gousses d'ail. Aujourd'hui, je n'ai pas opté pour n'importe quel ail, j'ai choisi d'utiliser de l'ail fumé au bois d'hêtre, un ail fumé à froid qui donc n'est pas cuit, mais qui dégage une incroyable odeur de feu de forêt. Un parfum d'ail fumé qui va bien sûr sublimer nos épinards et notre omelette. Vous compterez au minimum une gousse d'ail, voire plus si affinité. Pour l'amour passionnel, vous en placerez 3 ou 4. Il est temps maintenant de casser vos œufs, 6 à 8, pour 2 personnes, et dans un grand bol. Il va de soi bien sûr que vos œufs seront issus de poules élevées en plein air. Ceci pour une meilleure qualité gustative et nutritionnelle, mais également pour soutenir toutes les poules incarcérées en quartier de haute sécurité. Une fois vos œufs cassés, vous les assaisonnerez avec quelques tours de moulin à poivre, et une généreuse pincée de sel. Ensuite, muni d'un fouet, vous allez battre vos œufs jusqu'à ce que les jaunes et les blancs ne fassent plus qu'un. Vous pouvez également utiliser une fourchette, mais j'ai pu constater que le fouet offrait un meilleur résultat, notamment au niveau de l'aération des œufs. Vous pouvez également utiliser un batteur électrique ou un mixeur plongeant, et si vous choisissez la méthode manuelle, prenez bien votre temps pour vous assurer que les jaunes et les blancs soient bien mélangés. La présence d'une multitude de bulles vous indiquera que vous avez fait du bon boulot. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action en ce qui concerne la cuisson avec une poêle anti-adhésive qu'on va préchauffer à feu moyen. Une fois la poêle chaude, on y déposera entre 30 g et 40 g de pignons de pain qu'on va faire dorer en l'espace de quelques minutes. Prenez bien soin de ne pas les brûler en les remuant régulièrement. Et au bout de 5 minutes grand maximum, vous devriez obtenir des pignons dorés que vous pourrez évacuer. Gardez toujours votre feu actif car vous allez maintenant remplacer les pignons de pain par vos 200 g d'épinards. Arrosez-les avec 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, vous presserez vos gousses d'ail. Réduisez légèrement le feu, puis couvrez vos épinards pendant 1 minute 30 à 2 minutes pour les faire tomber. Ensuite, vous pourrez découvrir vos épinards, les mélanger avec l'ail. Un ail qu'on va rissoler pendant 30 à 45 secondes, qui va rapidement vous envoyer une notification nasale dans chaque narine. À cette étape, si votre poêle n'est pas parfaitement anti-adhésive, vous pouvez ajouter une noisette de beurre pour l'assister. Et à ce moment-là, vous pourrez arroser vos épinards avec vos œufs. Vous allez de nouveau réduire légèrement le feu et mélanger vigoureusement vos œufs, ce qui permettra de donner davantage de volume et d'onctuosité à notre omelette. Une fois que les œufs ont commencé à bien coaguler, vous ne mélangez plus, vous rééquilibrez la poêle, et vous allez parsemer sur vos œufs quelques cuillères à café de ricotta. N'en abusez pas, 5 à 6 cuillères à café devraient suffire. En revanche, vous pourrez abuser du parmesan fraîchement râpé. Après le parmesan, vous pourrez ajouter vos pignons de pain dorés. Des pignons de pain qui, malgré leur apparente crousticité, vont fondre dans votre bouche. Et pour finir, vous pourrez ajouter quelques feuilles de basilic fraîche et un filet d'huile d'olive. N'hésitez pas également à ajouter quelques flocons de piment. À ce stade, votre omelette doit être encore baveuse en surface. Si c'est comme ça que vous l'aimez, faites-lui débarrasser le plancher. Sinon, couvrez-la et accordez-lui une ou deux minutes de cuisson supplémentaire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit avec cette recette proche de l'équilibre qui annonce de nombreux déséquilibres pour les prochaines recettes. Pensez s'il vous plaît à liker cette vidéo si elle vous a plu, pensez également à laisser un commentaire et pensez à revenir dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao!